La France n'est pas un pays dans lequel un responsable politique peut ainsi insulter un journaliste dans l'exercice de son travail. Donc je pense qu'il y a une barrière qui a été franchie, très clairement. Je pense que c'est je ne cherche pas à expliquer cela. Vous savez que je lutte avec acharnement contre la violence, contre toutes les formes de violence. Vous pourriez me dire que la violence verbale en fait partie. Donc c'est pour ça que je ne me prononcerai pas sur les mots du président du Sénat. Mais il faut qu'il arrête. Voilà. Je parle de Jean-Luc Mélenchon. Je pense que là, il faut qu'il arrête. Vraiment. Et je pense qu'il serait de bon ton que les gens qui l'entourent, à un moment donné, lui expliquent que ça ne peut pas durer.